Par une belle journée de printemps, un petit village du Namurois voit son nom s'inscrire en lettres de feu et de sang au fronton de l'histoire. Durant 6 heures, plus de 150 000 hommes vont s'acharner à se détruire et à réduire à néant le fruit du labeur de toute une population, de toute une région, et ce pour plusieurs années. Ce village, c'est Ligny. 5 lettres gravées à jamais dans la pierre de l'Arc de Triomphe de l'Étoile à Paris. Cette bataille, nous vous proposons de la revivre 200 ans après les faits, afin de mettre en exergue qu'en 1815, il n'y eut pas que Waterloo. Si les villages ont évolué et se sont agrandis, l'infrastructure routière d'il y a 200 ans est restée presque intacte. Aussi, c'est toujours avec émotion que l'on peut emprunter les chemins que les régiments de Vandamme et de Gérard ont suivis le 16 juin 1815. L'émotion est d'autant plus vive que ce jour-là, tout pouvait encore réussir. Les erreurs et les retards de la veille pouvaient être réparés. Fleurus, 10 heures du matin. Par une chaleur étouffante, le 3e corps du général Vandamme débouche de la localité. Devant les Français s'étendent à perte de vue des champs de blé d'où s'élèvent des nuages de poussière soulevés par les unités prussiennes en marche. Dès que les têtes de colonne de Vandamme amorcent leur descente du plateau de Fleurus, une batterie prussienne postée sur les hauteurs de Saint-Amand ouvre le feu. Les 2e et 1er corps de réserve de cavalerie, des généraux Excelmans et Pajol, prennent position à l'est de la chaussée, sur la même ligne que Vandamme, après avoir refoulé des postes de cavalerie ennemis vers Tongrin et Sombref. Fleurus, midi. Une formidable clameur annonce l'arrivée de l'empereur. À la lisière nord du bourg, il trouve Grouchy et son état-major, alors que ce dernier est, selon les ordres dictés le matin, censé être à Sombref. Une rapide observation de ce qui se passe vers Saint-Amand et Ligny lui fait comprendre qu'il va devoir livrer bataille là où il ne l'attendait pas. Après avoir entendu le rapport de Grouchy, tout en déjeunant dans un relais de poste tout proche, Napoléon revient sur ses pas et s'arrête au pied d'un moulin qui se dresse non loin de la chaussée. C'est du haut de cet observatoire improvisé
qu'il va découvrir ce qui va devenir le théâtre de sa dernière victoire. Le futur champ de bataille s'inscrit dans un quadrilatère de 8 km sur 6. En partant de Fleurus, le terrain descend en pente douce vers un ruisseau situé à moins de 2 km au nord, appelé la Ligne, lequel constitue une coupure humide qui s'avérera très difficile à franchir pour les Français. Derrière ce cours d'eau, le terrain remonte vers le plateau de Brie, dont les pentes sont particulièrement marquées entre Saint-Amand et Ligny, au sud de Sombreffe, ainsi qu'en aval de Tongrine. Deux axes routiers pavés jalonnent le terrain, celui de Charleroi-Jambloux à l'est et celui de Nivelles-Namur au nord. À l'ouest, le champ de bataille est délimité par l'ancienne chaussée romaine, dite de Brunehaut, qui coupe la chaussée de Nivelles au lieu-dit le hameau des Trois Burettes. Entre les deux plateaux, sur la rive droite de la Ligne, se dresse le château, malgré son mauvais état, est encore très robuste. En haut de la place, se dresse toujours la ferme de la Tour, dite d'en haut. Sur la rive gauche du ruisseau, dans le bas de la place, se dressent les bâtiments de la ferme d'en bas. Au centre, entre les deux rues principales, courent de nombreux sentiers bordés de haies et de murets, qui servent également de clôture aux pâtures, jardins et vergers qui occupent le centre. Et sur la position de Sombreffe, il recevra une sacrée bonne raclée. Si l'on tient compte des pertes subies par son premier corps au cours de la journée du 15, les forces dont dispose Blücher s'élèvent à 85 000 hommes et 224 bouches à feu. Compte 2 000 hommes, coiffe Saint-Amand. Les 8 escadrons de cavalerie légère du général Daumont se dirigent vers Oignet, où ils flanquent le dispositif français. Les 8 de Berthezède s'arrêtent à l'ouest de Saint-Amand. La 7e division de Girard se place entre Daumont et Berthezède. Les 11 bataillons de Le Foll prennent position à cheval sur le chemin de Fleurus à Saint-Amand, à hauteur d'une chapelle que l'on nomme « Bon Dieu de pitié », soit à 1200 mètres de l'église du village. L'artillerie divisionnaire se met en ligne le long d'un chemin de terre à 200 mètres en avant, soit à moins de 800 mètres du centre du village. Les 6 bataillons de la 14e division du général Hulot, ex-division Bourmont, prennent position à cheval sur la chaussée de Fleurus, face à Sombreffe. Les 6 escadrons de la 7e division de cavalerie mixte du général Morin flanquent l'infanterie face à Tongrinel. Dans le prolongement de Morin, les 31 escadrons de dragons d'Excelmance prennent position sur 2 lignes. Les cavaleries de Pajol, le premier hussard étant depuis la veille avec Ney sur l'axe Charleroi-Bruxelles, flanquent l'extrême droite du dispositif français le long du chemin de terre qui relie Fleurus à Honneau. La garde impériale, 23 bataillons et 15 escadrons ennemis, soutenus par 126 bouches à feu, ainsi que les 24 escadrons de cuirassiers et les 12 bouches à feu du 4e corps de cavalerie de Milo, restent à Fleurus, où les habitants observent d'un œil inquiet ce déploiement de troupes qui laisse présager un terrible affrontement. Au total, Napoléon met en ligne 64 700 hommes et 236 bouches à feu. Les 6000 baïonnettes du 6e corps de Lobau sont toujours entre Charleroi et Gilly. En réaction au nouveau dispositif français, Blücher déploie ses 1er et 3e corps en première ligne et conserve le 2e en réserve le long de la chaussée de Nivelles. Un demi-bataillon est détaché à Ballard, à l'extrême est du champ de bataille, afin de protéger la gauche de Tillemann, tandis que le gros de la 10e brigade va se masser au sud-est de la position de Tongrine. Au centre gauche de son dispositif, la 11e brigade reçoit l'ordre de tenir la route de Charleroi à Jambloux entre Tongrine et Sombreffe. À droite de son aile gauche, en arrière de Sombreffe, Blücher masse la 9e brigade, dont l'artillerie se déploie en lisière du hameau de Potriot, position qui domine la chaussée de Jambloux à l'ouest de Tongrine et d'où l'on peut prendre la route en enfilade. En réserve de cette aile, le général Tillemann poste la 12e brigade au nord de la chaussée de Namur.
Sa réserve de cavalerie reste en observation à l'extrême gauche du dispositif prussien. La mission principale de ce corps est de protéger la ligne de retraite éventuelle constituée par l'axe Sombrève-Gembloux à partir du carrefour du point du jour. Un dernier détail, le chef d'état-major du 3e corps de Thielmann n'est autre que le colonel Clausewitz, futur maître à penser de l'armée prussienne. Le 1er corps, commandé par le général Sitten, occupe les avant-postes avec un dispositif quelque peu compliqué qui s'explique par la dispersion des bivouacs qui se sont établis dans la nuit du 15 au 16 au fur et à mesure que les unités arrivaient après avoir décroché du secteur de Charleroi. Son flanc gauche s'appuie sur Ligny avec deux compagnies de tirailleurs silésiens appartenant à la 3e brigade et quatre bataillons de la 4e brigade. Son centre, situé à Saint-Amand, est défendu par six bataillons. Le 4e hussard prussien, soutenu par une batterie à cheval, flanque l'extrême droite de Blücher vers la chaussée romaine. Sitten conserve une brigade en réserve en arrière de Saint-Amand. Neuf autres bataillons, soutenus par un régiment de cavalerie, prennent position en arrière du moulin de Bussy, qui est mis en état de défense. Six autres bataillons vont se placer sur les hauteurs de Ligny afin d'y constituer une réserve, là où vous vous trouvez aujourd'hui. L'artillerie, curieusement dépourvue d'artillerie. Le 2e corps de Pirch 1er reste en position le long de la chaussée de Nivelles entre le hameau des Trois Burettes et Sombrève. Il est à noter que le dispositif prussien présente un vide dangereux de près de 1000 mètres entre les 1er et 3e corps qui sont en première ligne. En examinant ce dernier dispositif, on constate que Blücher a massé un maximum de force sur sa droite, soit dans la direction d'où il espère une intervention anglaise, soit face au secteur où Napoléon prévoit d'engager le maximum de troupes. Il est 15 heures au clocher de Fleurus lorsqu'une batterie de la garde tire trois coups à blanc, donnant ainsi le signal de l'attaque. 2000 Prussiens défendent Saint-Amand sur un front de 1200 mètres. Le manque de sapeurs les ayant empêchés de fortifier leur position, ils se sont contentés d'investir les maisons, les jardins, les haies. C'est la 8e division d'infanterie du général Le Foll qui a l'honneur d'aborder la première les défenses ennemies. Formée sur trois colonnes, les 5000 hommes qui la composent pénètrent dans Saint-Amand sous une grêle de balles, et ce, sans aucune préparation d'artillerie, celle du 3e corps n'étant pas en position. Pourtant, l'élan est tel que rien ne résiste aux Français qui enlèvent le village à la baïonnette, rejetant les Prussiens sur les pentes du plateau de Brie. Tandis que la division Le Foll se éloignait, où Van Damme a fait déployer les 12 bataillons de la division Haber, flanqués des 1500 sabres de la division Domont. Haber a disposé son infanterie dans les blés dont la hauteur en cette fin juin procure un excellent paravent. Ordre a été donné d'attendre la dernière minute pour se découvrir. Lorsque la tête de colonne ennemie arrive à bonne portée, l'enfer se déchaîne. Totalement désemparés par la violence du tir, les unités de tête se jettent en désordre sur celles qui suivent, y jetant la confusion. Les chasseurs à cheval de Domont s'étant avancés, la cavalerie ennemie préfère se retirer. Soulagé sur son flanc gauche, Girard ramène sa division en avant et s'empare une nouvelle fois du hameau et de la haie. Comme à son habitude, il conduit l'assaut au cours duquel il est grièvement blessé. Il décédera à Paris le 27 juin. Malgré son échec, Blücher insiste. Il ordonne au général Pirch II d'engager sa brigade afin de reprendre coûte que coûte la haie. Une nouvelle fois, le choc avec la 7e division est terrible. Épuisés, démoralisés, ce qui reste des héroïques 4e, 11e et 84e de ligne et 12e léger se replient en défendant chèrement chaque mètre de terrain. C'est à présent le colonel Matisse qui commande, les deux brigadiers, les généraux de Villiers et Piat étant eux aussi hors de combat.
J'ai eu lieu d'être satisfait de la conduite de mon nouveau régiment dans cette brillante journée. Nous avions délogé les Prussiens du village de Saint-Amand, mais ces derniers y dirigeaient incessamment de nouvelles attaques. La brigade que mon régiment, le 22e, forme avec le 70e de ligne, avait dû se déployer au-delà du village afin de le couvrir. La cavalerie ennemie est venue pour l'entamer, et nous nous sommes disposés pour la recevoir, en carré, par régiment, un peu comme sur un échiquier. Le 70e était à ma gauche, et les Prussiens se dirigèrent d'abord sur lui, avec assez de résolution. Je crois, cependant, qu'il n'aurait pas pu se faire. Mais, hélas, sans les attendre, ce malheureux régiment du 70e, intimidé, lâcha pied et fut aussitôt assailli et sabré. Si cette terreur panique avait gagné mon 22e, notre brigade était perdue. Mais il tint bon, repoussa vigoureusement la charge exécutée à l'instant sur lui, couvrit la plaine d'hommes et de chevaux ennemis, abattus par un feu bien dirigé, et le mal fut réparé. Les fuyards du 70e purent se rallier derrière mon carré. Et bientôt, ils reprirent leur place à ma gauche, dans le même ordre qu'auparavant. Plus affriandés par le peu de solidité du 70e que séduit par mon attitude et mes coups de fusil, d'autres corps de cavalerie prussienne essayèrent encore contre nous de nouvelles charges. Mais cette fois, le 70e, animé par la voix de son excellent colonel, M. Maury, fit son devoir. Les assaillants furent constamment repoussés et fort maltraités. Voyant leurs efforts inutiles, les Prussiens, favorisés par un pli de terrain, firent avancer deux pièces de canon, qui nous envoyèrent de la mitraille. Mais un ultime effort général, auquel prit part la garde impériale, balaya enfin le champ de bataille et nous donna la victoire. Mais tout cela ne s'est pas passé sans perdre de monde. Le 70e, dûment sabré, a vu ses rangs fort éclaircis. Mon 22e a eu 26 morts, dont un officier, et 194 blessés, dont 8 officiers. Quinze minutes après la division Le Foll, Gérard lance la 12e division d'infanterie du général Pécheux contre Ligny. Pour enlever cette position, le commandant du 4e corps n'engage que 3500 hommes. Au lieu d'attaquer avec une supériorité numérique plus marquée, étant donné l'importance des défenses qu'il va devoir affronter. Formé sur trois colonnes, comme la division Le Foll à Saint-Amand, les unités de Pécheux progressent vers les haies qui bordent le village. À faible distance, les Prussiens déclenchent un feu violent qui empêche les colonnes de droite et de gauche de pénétrer dans les nids. Seule celle du centre parvient à passer. Au pas de course, le 30e de ligne dépasse la ferme d'en haut, débouche sur la place et parvient jusqu'à l'église. Il n'ira pas plus loin. En quelques secondes, sa tête de colonne est foudroyée par les tirs meurtriers qui partent des maisons et du cimetière. 500 Français jonchent le sol. Les survivants cherchent leur salut dans un repli rapide. À trois reprises, Gérard lance la seule division Pécheux contre l'ennemi. À trois reprises, les Prussiens repoussent l'assaut. Du moulin de Fleurus, d'où il suit l'action, l'empereur détache une batterie de 12 de la garde vers Ligny afin d'augmenter le feu de l'artillerie divisionnaire de Vichy et de Pécheux et d'écraser les défenseurs du village sous une avalanche de boulets et d'obus. Une quatrième fois, Pécheux relance ses troupes à l'assaut de Ligny. Cette fois, la brigade Le Capitaine de la division Vichy l'accompagne. Au prix de combats d'une intensité indescriptible, les Français parviennent à se rendre maîtres de la partie haute du village qui flambe. La ferme d'en haut est prise, mais le vieux château continue à résister. Continuant sur leur lancée, les Français enlèvent le cimetière et l'église. Encore un effort et ils seront sur la rive gauche de la ligne, derrière laquelle les Prussiens se regroupent et font face. Non loin de l'église, un groupe d'officiers entoure le général Le Capitaine qui vient de s'effondrer, mortellement atteint, alors que 8 pièces de 8 qui ont suivi le mouvement prennent position dans et autour du cimetière afin de foudroyer presque à bout portant
tout ce qui se trouve sur la rive gauche du ruisseau. Le temps de reprendre haleine, les Français sauteront cette coupure humide. Mais si Gérard s'entête, Blücher s'obstine. Il engage deux bataillons de la Landwehr de la brigade Kraft dans l'Inn. 18 bataillons français luttent contre 18 bataillons prussiens dans un périmètre de 1000 mètres de côté. C'est désormais, pour la possession du village, un combat dont les détails échappent à l'analyse. Même les plus anciens soldats n'ont jamais vécu chose semblable. Essayez de vous imaginer pour ne plus se relever. Le 30e est décimé. Le 69e perd son colonel. Le 6e léger son commandant. Les pertes dans les deux camps sont épouvantables. L'intensité des combats dépasse l'entendement. Sur la place, dans les ruelles, les jardins, des centaines d'hommes, le visage grimaçant, noir de poudre, se précipitent les uns contre les autres à la baïonnette, à coups de crosse. Deux fois, trois fois, quatre fois, la ligne est sur le point d'être franchie. Deux fois, trois fois, quatre fois, les Prussiens rejettent les Français sur la place. C'est à présent une lutte acharnée au pied des murailles de la ferme d'en bas, dernier bastion de résistance prussien avec le vieux château qui tient toujours, malgré l'incendie qui y fait rage. Mais la ferme d'en bas offre un point d'appui formidable aux Prussiens qui ne cessent de recevoir du renfort par tous les chemins qui descendent du plateau des Rues. Retranchées sur la rive gauche du ruisseau, les unités de Henkel et de Kraft parviennent à contenir la pression française. Mieux, s'appuyant sur la ferme d'en bas, elles lancent une violente contre-attaque qui oblige les Français à se retirer de la place. Plusieurs pièces d'artillerie sont perdues dans l'action. Le colonel arriva et nous dit « Chasseurs, vous êtes jeunes et trop ardents. C'est le sang-froid qui fait le soldat. Gardez vos rangs, en avant, en marche !» Alors les tambours se mirent à battre. Enfin il était arrivé, le jour pour lequel nous avions quitté nos foyers et encouru tant de dangers. On nous donna l'ordre d'attaquer. Notre ardeur dépassa toute borne. Sans tirer un coup de fusil, nous avancions vers l'ennemi qui recula. Mon camarade de combat ayant été tué, je n'en marchais que de plus belle. Sourd à la voix de mon sergent qui voulait me retenir. Le village était coupé de haies très épaisses, où les grenadiers français tiraient sur nous. Nous devions les déloger. À un moment, dans la fièvre de la bataille, j'arrachai le plumet du bonnet à poil d'un soldat de la garde et l'agitai devant ma section. Enfin, le sergent-major réussit à me calmer. Non loin de là, se trouvait une maison où, selon lui, beaucoup de Français devaient s'y trouver. « Fais attention, me dit-il. Attends les camarades. » Sourd à ce conseil, je me trouvais bientôt devant un grenadier qui n'était pas à plus de 15 pas. Au moment où il me mettait en joue, je fis de même. Sa balle frôla ma tempe droite, alors que la mienne le toucha en pleine figure. Il tomba aussitôt. Il était mort. C'est mon premier coup de fusil de la campagne. À plusieurs reprises, j'ai demandé à de vieux soldats si nous étions vraiment en pleine bataille. Ils m'ont répondu en chœur que c'était comme à Dennewitz, un des plus sanglants engagements qu'ils aient jamais vus. Pendant ce temps, le champ de bataille vers Tongrinel et Tongrin est plus calme. Il est là, à moins de 4000 mètres en arrière de la division Girard, tiraillé entre le souci d'être utile à l'empereur et celui d'obéir à l'ordre de rappel que lui a adressé le maréchal Ney. Il hésite. Puis, ne recevant aucune directive de Fleurus, il opte pour un retour en arrière. Derlon laisse les divisions Jacquinot et Durutte à Wagnier, mais avec instruction de ne s'engager que si l'empereur en donne l'ordre. Ordre qui n'arrivera jamais. Napoléon ignorant ces deux divisions, pourtant dangereuses pour le flanc droit ennemi. Livrés à eux-mêmes, sans ordre,
ni Durut, ni Jacquinot ne prendront l'initiative d'intervenir lorsque les colonnes ennemies entameront le repli de Saint-Amand en défilant à une simple portée de canon. On a beaucoup épilogué sur cet épisode de la bataille de Ligny. Les 21 000 hommes de d'Erlon vont errer entre deux champs de bataille sans être utiles ni à Ney, ni à Napoléon. Mais fait plus grave, le retard de l'attaque de la garde impériale va modifier radicalement l'issue de la bataille. La situation est stabilisée à Saint-Amand. Dans Ligny, Gérard, qui a jeté toutes ses unités dans cette lutte de titans, est à bout de force. Les fantassins français et prussiens se battent mécaniquement, instinctivement. La chaleur est infernale. Chaque maison est l'enjeu de combats effroyables, malgré les incendies qui ravagent tout. Les tombes du cimetière disparaissent sous les cadavres et l'église ressemble à un abattoir. Vers Tongrin, les unités du général Hulot entament un mouvement afin de s'emparer de la position de Potriau. Mais une fois la chaussée franchie, l'artillerie ennemie postée en avant du point du jour ouvre le feu et les prend en enfilade. Excellence lance ses dragons et enlève la batterie. Au cours de l'action, le général Morin, commandant la division de cavalerie du 4e corps, est sérieusement blessé à la cuisse. Il reste un peu plus de 2 heures de lumière pour emporter la décision. Napoléon a sous la main 5 régiments de vieille et de moyenne garde, soit 9 bataillons. Les 12 escadrons de grosse cavalerie de la garde du lieutenant-général Comte Guyot, ainsi que les 3120 cuirassiers de Milhaud. Le tout représente une force de frappe de 6000 baïonnettes et de 5800 sabres. Il faut également tenir compte de l'arrivée des 6000 hommes de Lobau, dont la tête de colonne est entre le vieux Campinaire et Fleurus. Alors que l'empereur prépare l'assaut final, Blücher insiste contre la gauche française, et ce, malgré les pertes énormes subies par son armée. Pour réaliser sa manœuvre d'enveloppement, il faut impérativement que son centre tienne. Aussi jette-t-il dans Ligny tout ce qui peut encore marcher et tenir une arme. Après quoi, il ordonne un vaste mouvement en avant pour toute sa droite. Les Prussiens abordent une nouvelle fois Saint-Amand. La poussée est telle qu'il faut toute la maîtrise de la garde pour la contenir. Ici, comme à Ligny, l'enfer se déchaîne. Il y a plus de 4 heures que durent les combats. 4 heures d'affrontements intenses. 4 heures de boucheries innommables. Ici, comme à Ligny, l'artillerie des deux camps tire sur le village, causant d'énormes pertes humaines. Les boulets et les obus tuent, mutilent, sans distinction de camp. Blücher a jeté ce qui lui restait dans la bataille. Il sait que Wellington ne pourra lui prêter assistance, qu'il est engagé trop sérieusement sur la position des quatre bras. Il sait que son 4e corps d'armée est encore trop éloigné pour lui être utile. Néanmoins, il conserve l'espoir de rester maître du champ de bataille avec l'arrivée de la nuit. Alors que le vieux guerrier tente tout pour le tout sur Saint-Amand, un tonnerre extraordinaire éclate vers Ligny. Des dizaines de pièces françaises de tout calibre viennent d'ouvrir le feu contre le centre prussien, écrasant les dernières défenses ennemies, mais causant également, une fois de plus, des pertes sensibles dans les rangs de Gérard. Au nord de Fleurus, le premier grenadier et le premier chasseur à pied de la vieille garde, l'élite de l'élite, font mouvement et convergent vers la lisière est de Ligny, tandis que les 2e, 3e et 4e grenadiers progressent par l'ouest de la position. Ils sont soutenus par la division de grosse cavalerie de la garde et la division des cuirassiers du général Delorme. Les marins, les sapeurs et les génies de la garde font un second échelon. L'empereur et les escadrons de service accompagnent le mouvement jusqu'à 800 mètres de la lisière sud de Ligny, où il s'arrête au sommet d'un ancien tumulus gallo-romain, au lieu dit la tombe, d'où il peut suivre la progression de l'attaque. Au passage, les deux colonnes d'assaut entraînent les fantassins épuisés de pêcheux et de vicheries. Une fois de plus, le miracle de la garde s'accomplit. Oubliez les fatigues, les blessures. La garde donne, la victoire ne saurait plus échapper aux Français. La ligne est enfin franchie. Les dernières défenses prussiennes sont balayées, la ferme d'en bas conquise, les rues et les ruelles nettoyées. Face à un tel déferlement, l'ennemi ne peut que céder le terrain.
La garde débouche au nord de Ligny et gravit les premières pentes du plateau de Brie, d'où l'artillerie ennemie tente d'endiguer le flot qui monte vers elle. L'armée prussienne est sur le point d'être coupée en deux. Tout cela, plein poitrail, s'effondre, retenant son cavalier prisonnier sous lui. Les cuirassiers français enveloppent Blücher à demi inconscient, mais l'obscurité naissante les empêche de le reconnaître et la charge passe. L'aide de camp de Blücher, le colonel Nostitz, reste debout auprès de son chef, immobile, afin de ne pas attirer l'attention. Une contre-attaque des dragons de la reine de Brandebourg reconduit un instant les cuirassiers qui repassent auprès de Blücher sans plus le reconnaître. Nostitz est un sous-officier de dragons qui l'aide à dégager le vieux guerrier. Il a 73 ans de sa fâcheuse posture. Meurtri, contusionné, il est évacué vers Mellery, au nord du champ de bataille. Le feld-maréchal Blücher, évacué vers Mellery après sa chute de cheval sur le plateau de Brie, me donna l'ordre d'aller informer le duc de Wellington de sa décision de se replier vers Wavre. Fier de cette mission, je suis parti au galop vers les Quatre Bras. Arrivé près du bois de la Hutte, on m'informa que les Français avaient occupé Priaumont et que le mieux pour moi était de faire un détour par Tille, Brie et Marbais. Malgré cela, j'ai essuyé un certain nombre de coups de fusil avant d'arriver. Une longue vue à la main, il observait l'ennemi. Le général Muffling était près de lui. Je lui dis qu'au moment de partir, nous occupions encore les villages de Ligny, Saint-Amand, La Haye et Wenley, en dépit des dures attaques françaises. Mais que pour nous, le mieux était de nous cramponner au terrain jusqu'à la nuit. Il n'y avait rien de mieux à espérer, à moins qu'une diversion anglo-néerlandaise ne vienne soulager l'armée prussienne. Le duc m'écouta avec son habituel sang-froid, en dépit des boulets qui passaient autour de nous. Il me remercia et me chargea de dire qu'il avait le plus grand mal à résister aux attaques en force des Français. Il avait déjà 20 000 hommes sous la main, mais qu'à l'arrivée des renforts, il essaierait de lancer une puissante attaque de façon à aider l'armée prussienne. Je suis resté un instant pour voir l'offensive anglaise se développer vers Priaumont, puis je retournai au galop transmettre la réponse de Wellington. Il est 21h. La nuit tombe. L'orage est passé, le rougeoiement du soleil couchant se mêle à celui des incendies qui achèvent de consumer les villages victimes de la folie humaine. Le 6e corps débouche à son tour sur le plateau et vient prendre position à une portée de fusil de Brie, toujours occupée par les Prussiens. La garde rétrograde en seconde ligne, mais reste formée en carré, l'arme prête à tirer, avec interdiction formelle de faire du feu. Dans le camp prussien, c'est le général Gneisenau qui a pris le commandement. Non loin de l'église de Brie, protégé par une batterie à cheval, il observe le lent mouvement en arrière des unités de l'armée du Bas-Rhin qui se retirent de Saint-Amand, de Ligny et de Tongry. Le centre de l'armée est enfoncé et rejeté en désordre vers le nord, mais les deux ailes tiennent bon et se replient en bon ordre, en effectuant de fréquentes volte-face offensives lorsque les Français les servent de trop près. Après une telle bataille, tout le monde s'attend à voir l'armée prussienne se retirer vers l'est, c'est-à-dire vers Namur et Liège. Mais Gneisenau donne l'ordre de se replier vers Wavre, vers les Anglo-Néerlandais. En réalité, il n'a guère le choix. S'il se retire vers l'est, non seulement il expose son flanc droit aux attaques de la cavalerie française, mais il s'éloigne du renfort possible du 4e corps de Bülow et surtout de Wellington. Les troupes de Van Damme et de Gérard sont épuisées. Elles bivouaquent sur le champ de bataille sans rien tenter pour poursuivre non loin du moulin qui lui a servi d'observatoire. Le 2e chasseur à pied de la garde, rappelé de Saint-Amand, y fait le service. Bien qu'il fît très sombre, j'y voyais assez pour consulter ma carte. J'y cherchais en vain Tilly, réalisant que d'autres officiers avaient la même carte. Il ne pourrait diriger la ligne de retraite
puisqu'il manquerait de la localité directrice. J'en fis l'observation au général von Gneisenau et lui suggérai de donner une autre indication, ce qu'il fit bien volontiers, en donnant le nom de Wavre. Jusqu'à quel point la retraite prussienne s'étendit jusqu'à Wavre, je ne saurais le dire. Après quoi, je postai l'officier d'état-major que j'avais avec moi, le lieutenant von Reiswitz, à l'endroit de la chaussée romaine, d'où les troupes devaient bifurquer vers Tilly et Wavre. Bien entendu, les quelques détachements qui avaient continué le long de la chaussée romaine ne pouvaient pas être appelés. Dans un sens, c'était fâcheux. De l'autre, la direction qu'ils avaient prise tromperait l'ennemi sur notre véritable ligne de retraite. Les troupes se replient à des ordres. Le général von Gneisenau me chargea de les reformer. Tâche extraordinairement difficile en de pareilles circonstances. J'y parvins cependant, avec l'aide de quelques sous-officiers. Heureusement, mon chapeau me fut d'un grand secours. Il était gardé d'une plume blanche et dans l'obscurité, on me prit pour un général. Recru de fatigue, je me suis finalement endormi sous un arbre, la bride de mon cheval à mon bras. La pauvre bête n'avait rien eu à manger de la journée. Quelle endurance! Il faut croire qu'en de telles circonstances, hommes et bêtes se ressemblent et peuvent supporter des tensions incroyables. Sur le plan tactique, Napoléon a eu l'avantage dans cette bataille dont la caractéristique réside dans une lutte d'usure conduisant à la perte d'équilibre de l'armée prussienne. Perte d'équilibre provoquée par l'entassement de troupes dans la portion ouest du champ de bataille, ainsi qu'à l'emploi prématuré des réserves. Sur le plan essentiellement stratégique, cet avantage pouvait être sérieux à la condition d'en profiter sur le champ. Blücher devait rétrograder, rallier son 4e corps et faire le choix d'une nouvelle position. Il ne faut pas perdre de vue que les Prussiens n'ont été que repoussés à Ligny et que leur armée n'a pas été détruite. Ils conservent donc la liberté de pouvoir demeurer en communication avec l'armée anglo-néerlandaise tout en se repliant. On ne comprend pas pourquoi l'armée impériale victorieuse n'a rien tenté pour empêcher le regroupement des Prussiens, ni pourquoi aucune poursuite n'a été entreprise dans la nuit du 16 au 17. De tous les points du champ de bataille, les Prussiens ont pu se regrouper et se retirer sans être inquiétés. C'est le cas pour les divisions Henkel et Steinmetz, qui après s'être dégagées de Ligny en passant par Sombreffe, peuvent effectuer leur mouvement de repli par Tilly, après avoir marché tranquillement sur la chaussée de Nivelles, entre Sombreffe et les Trois Burettes, soit à un millier de mètres des avant-postes de Lobau. Il est possible que la bonne contenance des unités prussiennes, ainsi que l'obscurité, aient contribué à rendre impossible une poursuite. L'ordre donné vers 23 heures au maréchal Grouchy de faire poursuivre l'ennemi dès l'aube par les unités de la cavalerie de Pajol et d'Excelmans démontre que l'empereur n'a commis aucune négligence. Mais pourquoi avoir laissé autant d'avance aux Prussiens? Napoléon croyait que Blücher était réduit au silence. Et apparemment, pas un seul instant, il n'a imaginé le contraire. Les pertes prussiennes s'élèvent à 372 officiers et 11 706 hommes tués ou blessés. À ce nombre, il faut ajouter de 8 à 11 000 prisonniers ou fuyards. Très peu de canons furent pris. Leur chiffre varie, selon les sources, de 15 à 40. Stockés à Charleroi, ils seront repris dès le 19. Seul un rapport du maréchal Grouchy mentionne la prise de quelques drapeaux sans pour autant en préciser le nombre. Les pertes françaises s'élèvent à 60 officiers tués, 384 blessés et 8000 hommes tués ou blessés. Parmi les officiers mis hors de combat, les généraux Girard et le capitaine ont perdu la vie, tandis que les généraux Habert, Daumont, Morin, Berruyer, Billard, Dufour, Farine, Penn, Piat, Saint-Rémy, De Villiers et Vinot sont plus ou moins gravement atteints. Tous les villages de première ligne présente le même aspect de désolation. Dans Ligny,
Ce qui subsiste des régiments de pêcheux et de vicherie tente de reprendre haleine. Les soldats cherchent de l'eau pour étancher leur soif. Ils vont par les rues reconstruire. Il faut tout d'abord veiller à empêcher les épidémies de se déclarer. Une étude effectuée sur les archives communales de l'époque suffit à démontrer dans quel état de dénuement la bataille de Ligny a plongé la population. D'après un procès-verbal établi par M. Evrard, les troupes prussiennes ont commencé à s'établir dans la plaine le 15 vers 8 heures du matin jusqu'au lendemain 13 heures. Ensuite, les Français se sont établis dans la commune vers 8 heures du soir, le 16, et ce, jusqu'au lendemain 10 heures. Jusqu'au 18 au matin, Ligny a été traversée par des troupes toujours occupées à fouiller partout. Enfin, un pillage continu. Une première évaluation des dommages subis, rien qu'en ce qui concerne Ligny, s'élève à près de 400 000 francs de l'époque. Si l'on tient compte qu'un ouvrier gagnait 1 franc par journée de travail, on peut facilement imaginer les difficultés pécuniaires qui se sont présentées aux villageois. L'administration hollandaise, dans son immense bonté, estimera que le montant réclamé pour les dommages de guerre est trop élevé et ramènera la valeur à plus ou moins 150 000 francs. Il faut attendre 1816 pour voir arriver les premières indemnités destinées à rembourser les pertes, du moins partiellement. Mais là encore, la population sera spoliée, vu qu'elle ne touchera que l'équivalent de 8% du montant revu par le gouvernement hollandais. C'était à Ligny, le vendredi 16 juin 1815. La dernière victoire de l'aigle, certes, mais aussi l'envol de la légende. Dans le cadre de la commémoration du bicentenaire de la dernière victoire de l'empereur Napoléon Ier, le 16 juin 1815, le syndicat d'initiative et de tourisme de Ligny, en partenariat avec la province de Namur, le commissariat général au tourisme, la commune de Sombray, et avec le soutien des établissements Delfos, du restaurant La Grange 1815, de la loterie nationale et d'Orèze, vous ont permis d'assister à la démonstration d'un combat d'époque napoléonienne. Les points de restauration et de rafraîchissement se trouvent sur le site de la bataille, du centre Général Gérard et dans le village. Le centre Général Gérard vous accueille pour la visite des bivouacs, du musée et du village napoléonien. L'ensemble des organisateurs vous souhaite un bon séjour à Ligny, au lieu de l'histoire napoléonienne. Thank you.
Thank you.
Au revoir.